À la périphérie de la ville de Vouledar, ces soldats ukrainiens n'entendent céder aucune parcelle de terrain. Mais en face, à quelques centaines de mètres, la pression des forces russes augmente, comme partout dans le Donbass. Les attaques d'artillerie et de mortiers de l'ennemi ont augmenté. Auparavant, il y en avait quelques-unes, mais maintenant, il y en a plus de 10 par jour. Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. On ne peut ignorer le fait que l'ennemi remporte des succès modestes mais significatifs, dans ceux qu'on appelle les batailles d'importance locale. À Bakhmout, les combats urbains s'intensifient. Les troupes russes avancent, malgré la pugnacité des soldats ukrainiens. Moscou lance une nouvelle offensive à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion. La situation sur la ligne de front, notamment dans les régions de Donetsk et de Luhansk, reste extrêmement difficile. C'est littéralement une bataille pour chaque mètre de terre ukrainienne. Beaucoup d'habitants se sont réfugiés dans le village de Jassiviar, à 15 km de Bakhmout. Oleksandr a vu sa ferme détruite par les combats, mais continue de garder espoir. Je serai de retour dans un mois ou deux, et peut-être même plus tôt, parce que les Russes ne s'empareront jamais de Bakhmout. Cela n'arrivera jamais, nous le savons dans nos cœurs. Pour le moment, nous attendons, mais ensuite nous irons semer nos champs, car la nouvelle saison arrive. Le groupe Wagner a revendiqué dimanche la prise de Krasnagora, dans la banlieue de Bakhmout. Mais selon son chef, Evgeny Prigojine, la ville de 700 000 habitants avant la guerre est encore loin d'être conquise.